Salut et bienvenue au comptoir pour un test en vidéo du clavier GXT850 de chez Trust, un clavier qui fait 485 par 231 par 26 mm pour 1,3 kg, qui se veut gamer, même si c'est un clavier à membrane, équipé de touches qui ressemblent à du mécanique. Il est rétroéclairé, avec un bouton permettant de basculer d'un mode de couleur à un autre, et un combo de touches qui permet de régler l'intensité de la luminosité. Pas de logiciel pour ce clavier. Vous aurez cependant 2-3 options, comme ici la possibilité de bloquer la touche Windows, ce qui évitera des retours bureau en jeu. Il y a quelques LED pour présenter l'affichage et son bruit, qui est proche d'un mécanique, parce que ben voilà, ça se veut gamer et les gamers aiment le mécanique. En haut, quelques touches de fonction, et vous le voyez, il est en XERTY. C'est une bonne idée, hein. On l'a reçu comme ça alors qu'il sort du grand commerce. Bon, ça se change, il est mappé en AZERTY, c'est pas un problème. Son châssis est en acier avec un repose-poignet en plastique, et ils arrêtent pas de le dire, c'est du métal, du métal, du métal, du métal, le métal c'est trop bien. Mais pour 69,95€, on pourrait s'attendre à plus que ça. C'est assez cheap, et c'est au même tarif que d'autres claviers plus poussés, du genre le K40 de chez Corsair, ou le Lobera de Tesoro, et pour 10 à 30€ de plus, même des fois pour autant, on arrive à avoir du vrai mécanique. Certes pas avec rétro-éclairage, mais en promo si. Donc, un produit à tester avant de passer à l'achat. On le retrouve dans notre papier, où vous pourrez le découvrir dans le détail. À bientôt!